Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux isométries affines dans un espace affine euclidien, donc de dimension finie. On va choisir L supérieur ou égal à 1. Donc je ne le dirai pas, hein, par la suite on est dans un espace affine euclidien. Si F est une isométrie, alors définition, F est une application donc de E vers E. C'est une isométrie si et seulement si norme de F de A, F de B est égale à norme de AB, quels que soient les points A et B de E. Exemple, l'identité. Toute isométrie est injective, parce que si F de A est égal à F de B, la norme du vecteur F de A, F de B va être égale à la norme de 0, donc ça fait 0. Et comme elle est égale à la norme de AB, puisque on a ça, eh bien alors, norme de AB égale 0, donc A égale B. Si F et G sont deux isométries, G rond F est une isométrie. Il suffit de dire que norme de G rond F de A, G rond F de B est égale à norme de, du vecteur G de F de A, c'est-à-dire G de A prime, G de F de B, c'est-à-dire G de B prime. Et donc, ça, comme G est une isométrie, ça va faire norme de A prime B prime, c'est-à-dire de F de A, F de B. Et comme F est une isométrie, ça fait norme de AB, quels que soient les deux points AB. Donc, G rond F est une isométrie. F, une application de E vers E, est une isométrie si et seulement si F est affine et sa partie linéaire est une isométrie. Démonstration, si c'est une isométrie, on fixe un point O et on considère l'application phi qui sera donc sa partie linéaire hein, de E vers E qui a U fait correspondre F de O, F de O plus U. Autrement dit, on aura F de M est égal à F de O plus phi de O, vecteur OM. Donc si je prends un vecteur U et que je pose M égale O plus U, je vais avoir phi de U, norme de phi de U, qui est égale à norme de F de O, F de M, c'est-à-dire norme de OM, puisqu'on a affaire à une isométrie, donc norme de U, quel que soit U. Donc c'est bien une isométrie vectorielle, donc c'est une application linéaire, donc F est affine, et sa partie linéaire, c'est phi. Réciproquement, si F est affine et que sa partie linéaire est une isométrie, eh bien on a norme de F de A, F de B égale norme de, et là j'applique la partie linéaire au vecteur AB, et comme c'est une isométrie vectorielle, ben ça fait ça, quel que soit AB, donc c'est une isométrie affine. Si F est une isométrie affine, alors si on prend 4 points quelconques, on a cette relation, bon, ben c'est facile aussi, il suffit de dire que ce produit scalaire est égal à donc partie linéaire en AB scalaire, partie linéaire en CD, et comme la partie linéaire est une isométrie, phi de U scalaire, phi de V, c'est U scalaire V, donc ça fait ça, voilà. Si F est une isométrie, alors je vais commencer par celle-là, si F est une isométrie affine, alors c'est une bijection, ça, ça vient du fait que si F est une isométrie affine, sa partie linéaire est une isométrie vectorielle, donc une bijection, et donc quand la partie linéaire est une bijection, eh bien ça veut dire que ça, c'est une bijection aussi, il y a équivalence d'ailleurs. Si F est une application affine et que R et R' sont deux repères orthonormés de E et F... Si F est une isométrie affine, alors elle transforme un repère orthonormé R de E en un repère orthonormé R' de E. Car le repère R est constitué d'une origine et d'une base, hein, le vecteur. Il est envoyé en R' qui est l'image de O, l'image de la base par la partie linéaire. Et comme c'est une isométrie affine, eh bien l'image par la partie linéaire de la base B, c'est une base. Donc on obtient un repère. C'est une base orthonormée. L'image d'une base orthonormée est une base orthonormée. Donc on obtient un repère orthonormé. Si F est une application affine, et que R et R' sont deux repères orthonormés, et que F envoie R en R', alors, F est une isométrie affine, en effet. R égale OB, ça c'est une base, est envoyée en F de O, F de B. Eh bien, puisque R' est une base orthonormée, F de B est... Non, puisque R' est un repère orthonormé, F de B est une base orthonormée. D'accord ? Et donc, la partie linéaire de F est une isométrie vectorielle, et donc F est une isométrie affine. Si R et R' sont orthonormés, il existe une unique application linéaire affine F qui envoie R en R', donc F est une isométrie affine. Alors en fait,
Oui, si R et R' sont orthonormés, on sait qu'il existe une unique application affine qui transforme R en R'. Ça, c'est le cours sur les applications affines. D'accord? Mais comme en plus R et R' sont orthonormés, donc on peut en déduire que, d'après ce qu'on a vu avant, que F est une isométrie affine. Tout est démontré. L'ensemble IS de E des isométries affines de E est un sous-groupe du groupe affine GLA de E. Alors, le groupe affine GLA de E, c'est le groupe des applications affines bijectives de E vers E. Et l'application phi qui a F appartenant à IS de E, donc à une isométrie affine, fait correspondre sa partie linéaire, est un homomorphisme surjectif du groupe IS de E rond vers le groupe O de E rond, dont le noyau est le groupe T de E rond des translations de E. Alors, le groupe O de E, c'est le groupe des isométries vectorielles de E. E, c'est la partie vectorielle, la direction de E. Voilà. Démonstration, bah, l'identité de E est une isométrie. Si F et G sont des isométries, on a déjà vu que G rond F en était une, et si F est une isométrie, elle est bijective, et comme tout, et c'est une application linéaire, donc la partie linéaire de la réciproque de F est égale à la réciproque de la partie linéaire de F, la partie linéaire de F, ça appartient à O de E, et sa réciproque aussi. Voir le cours là-dessus sur les isométries vectorielles. Donc, on en déduit que IS de E muni de la composition est un sous-groupe de GLA de E muni de la composition. Voilà. Et puis que phi est un homomorphisme, parce que phi de G rond F, c'est la partie linéaire de G rond F. Donc ça fait partie linéaire de G rond, partie linéaire de F, donc ça fait phi de G rond phi de F. Si F appartient à IS de E, alors phi de F est égal à l'identité. Alors, phi de F égale identité. Ça équivaut à dire que la partie linéaire de F est égale à l'identité. C'est-à-dire que F est une translation. D'accord? Les applications affines dont la partie linéaire est égale à l'identité, ce sont les translations. D'où le résultat. Remarque, j'aurais pu le faire avant, les translations, évidemment, sont des isométries affines, car la partie linéaire d'une translation, justement, c'est l'identité qui est une isométrie vectorielle. Symétrie orthogonale SF, toute symétrie par rapport à un sous-espace affine grand F de E, suivant la direction orthogonale de la direction de F. Donc si on note P, la projection orthogonale sur F, c'est-à-dire la projection sur F suivant la direction orthogonale de F, c'est l'application M qui à M associe l'unique point H de F tel que MH appartient à l'orthogonale de F. Tout ça, ça a été vu dans un chapitre précédent. Donc soit O appartenant à F, la symétrie orthogonale par rapport à F, ça va être l'application qui M donne M' égale O plus égale M' égale O plus 2 vecteur OH moins vecteur OM, ça ne dépend pas de O d'ailleurs, et c'est une isométrie affine car c'est une application affine dont la partie linéaire est la symétrie vectorielle par rapport à la direction de F suivant l'orthogonale de la direction de F, donc la symétrie orthogonale, symétrie vectorielle orthogonale, symétrie orthogonale par rapport à la direction de F. Si F est un hyperplan de E, on dira que SF s'appelle une réflexion. Une réflexion, c'est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Soit F, soit une isométrie affine petit f, si la direction de la partie linéaire de F appartient à O plus de E. Alors O plus de E, ce sont les isométries vectorielles de déterminants positifs. Pour simplifier, eh bien, on dit que F est un déplacement. Donc ça, c'est un groupe muni de la composition.
Et si f, la partie linéaire de f appartient à au moins 2, déterminant de f négatif, on dit que c'est un antidéplacement. Notez, un rappel, que le déterminant de la partie linéaire, déterminant d'une application linéaire, ne dépend pas de la base choisie. Propriété, l'ensemble des déplacements, noté aussi is plus de e, est un sous-groupe distingué de l'ensemble des isométries de e. Alors pour la composition, bien sûr. Démonstration, l'identité, on l'a vu, est une isométrie et son déterminant est égal à 1, donc positive. Si f et g sont des isométries positives, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit, ou des déplacements, quand on compose, on obtient une isométrie et dont le déterminant est égal au produit des déterminants des parties linéaires. Et donc, il est positif puisque ces deux déterminants sont positifs. Donc, c'est une isométrie positive, c'est un déplacement. Et le déterminant de f-1 est égal à 1 sur le déterminant de f. Et donc, lui aussi, il est positif puisque f appartient à x+, donc son déterminant est positif. Donc, on a bien un sous-groupe. D'autre part, si f est un déplacement et g une isométrie, déterminant de g-f rond g-1 est égal à déterminant, alors de la partie linéaire de ça, est égal à déterminant de ça, est égal au produit des déterminants. Et donc, là, il y a une simplification. On trouve déterminant de f qui est positif, ce qui veut dire que ça, c'est une isométrie affine dont le déterminant des parties linéaires de la partie linéaire est positive, donc c'est bien un déplacement, d'où le résultat. Si f et g sont deux isométries affines, si f est un déplacement, f-1 est un déplacement, si f est un antidéplacement, f-1 aussi, si f et g sont deux déplacements ou deux antidéplacements, g-f, f-g sont des déplacements, si f et g sont l'un un déplacement, l'autre un antidéplacement, alors f-g est un antidéplacement, tout est évident avec les partie linéaire. On sait que de toute façon f-1 est une isométrie, que les composés sont des isométries, donc il n'y a plus que les déterminants. Hein. Bah, lui, le déterminant de la partie linéaire, bien sûr, c'est 1 sur le déterminant de f, c'est positif, donc f-1 est un déplacement. Là, c'est 1 sur le déterminant de f, et le déterminant de f est négatif, donc ça va être négatif, donc c'est un antidéplacement. Là, quand on multiplie les déterminants de partie linéaire de f et de g, bah, on va, si c'est deux déplacements, c'est plus par plus, ça fait plus. Si c'est deux antidéplacements, moins par moins donne plus. Donc, ce sont des déplacements. Et puis là, s'il y en a un qui a un déplacement et puis l'autre un antidéplacement, il y a un des déterminants qui va être négatif, l'autre positif, le produit sera négatif. Et donc, f en g sera un antidéplacement. Voyons maintenant les isométries affines du plan affine que l'on note grand P comme ça, de direction P. Soit f un déplacement, si sa partie linéaire est l'identité du plan vectoriel, alors f est une translation, TU, il y aura même équivalence, hein, qui est l'identité du plan affine si U est le vecteur nul, et sinon, ben sinon, il n'y a pas de point invariant. D'accord ? Bon, ça, je ne le démontre pas, ça a été fait quand on a étudié les applications affines. Deuxième cas, la partie linéaire n'est pas égale à l'identité, alors on va démontrer qu'il y a un unique point invariant O. Évidemment, F va être une rotation, enfin, pas évidemment, on va expliquer pourquoi la partie linéaire F est une rotation vectorielle, et on dit que F est une rotation de centre rond. Démonstration ? Donc je ne fais pas le 1, on a dit que ça a été fait. Le petit 2, on fixe O appartenant à P, et on a cette relation. Et avec Schall, on a ça. Donc en faisant passer OM de l'autre côté, on a facilement ça. Dire que M est invariant, c'est équivaut à dire que M est égal à F de M, autrement dit que ce vecteur-là est nul. Donc ça équivaut à dire ça. Alors F est une rotation différente, une rotation vectorielle qui n'est pas l'identité, donc le noyau de f moins l'identité est nul. Et donc, ça a été démontré dans le chapitre sur les isométries.
Et donc, F moins identité est un automorphisme de P. Donc, il existe un unique vecteur U de P tel que l'on est ça. Et donc, M est invariant si et seulement si OM est égal à U, c'est-à-dire M est égal à O plus U. Voilà. Donc, on a démontré ça. D'accord? Alors, quant à ça, bah, il n'y a rien à dire. La partie linéaire F est une rotation qui n'est pas, est une isométrie positive qui n'est pas l'identité. Donc, c'est une rotation. De toute façon, même si c'est l'identité, on dit aussi que c'est une rotation d'angle nul. Hein. Donc, c'est une rotation vectorielle. Voilà. Alors, rappel, un repère d'un espace affine euclidien est direct si et seulement si la base B du repère, donc base B de l'espace vectoriel euclidien, est directe. En fait, c'est la définition. On dit que E est orienté par le repère R. Dans ce cas, cette fameuse rotation vectorielle F est parfaitement définie par son angle. Voir le chapitre sur les rotations vectorielles. Θ, alors bon là il y a deux notations possibles, hein, c'est la classe, c'est un élément de R sur 2 pi z. Le plus souvent, nous on dira, on choisira un représentant de cette classe, donc un représentant θ qui est défini modulo 2 pi. Donc un nombre réel défini modulo 2 pi. Relativement à une base, à la base orthonormée, à une base orthonormée directe, ij. Et cet angle ne change pas quand on change de base orthonormée du moment qu'elle reste directe. D'accord? Mais par contre, il devient moins θ dans une base indirecte. On va la noter comme ça, Rθ dans la base B. Donc sa matrice, elle est comme ça dans une base directe. Dans R, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, hein, elle est comme ça dans toutes les bases directes. Orthonormée directe. Dans R, orthonormée directe, on dit que θ est l'angle de la rotation affine F. Alors on a F de M égale F de O plus partie linéaire de F en OM, ça c'est vrai pour toutes les applications affines. Mais ici, F de O est égal à O. Donc on a F de M égale O plus rotation θ, puisque j'ai appelé Rθ la partie linéaire de F en OM. Et donc là je vois que F est parfaitement défini par son centre et par l'angle θ. D'accord? Voilà. Dans un repère orthonormé direct. Alors évidemment, comme F de O est égal à O, l'image de XY, d'un point M de coordonnées XY, hein, grâce à ça, hein, on voit que ça va être donné par l'image du vecteur OM par cette matrice. Donc on multiplie par x moins 0, y moins 0, c'est-à-dire par XY, et j'obtiens que les coordonnées de M' sont celles-là. Une remarque très rapide, dans le plan affine euclidien P, si F est une application de P dans lui-même, c'est un déplacement si et seulement si sa partie linéaire appartient au plus de P, c'est-à-dire est une isométrie vectorielle positive. Et les isométries vectorielles positives, ce sont les rotations. Donc si et seulement si sa partie linéaire est une rotation vectorielle. C'est un antidéplacement si et seulement si sa partie linéaire est une isométrie négative du plan. Et comme les isométries vectorielles négatives sont les réflexions par rapport à une droite vectorielle, bien ça équivaut à dire que la partie linéaire est une réflexion, hein, donc une symétrie orthogonale par rapport à une droite P. Seconde remarque très rapide aussi, soit F une isométrie affine et on prend deux couples de points, on prend A différent de B, C différent de D. Donc ils ont des images A', B', C', D', et comme A est différent de B, A' est différent de B', puisque F est bijective, et C' est différent de D', donc on peut s'intéresser aux angles de vecteurs AB et CD, A', B' et C' D'. Si F est un déplacement, on va avoir l'angle de vecteur A', B', C' D' qui sera égal à l'angle AB, CD, modulo 2 pi, bien sûr. Et si F est un antidéplacement, alors l'angle de vecteur A' B', C' D' va être égal à l'opposé de l'angle AB, CD, modulo 2 pi.
Démonstration, eh bien on sait que l'angle A'B', C'd', c'est... Alors, je remplace A'B' par partie linéaire de F en AB, C'd' par partie linéaire de F en CD. Et quand j'ai F de U, F de V, l'angle F de U, F de V, ben, il va être égal à l'angle UV, c'est-à-dire AB, CD, modulo de pi, si la partie linéaire est une rotation. Et sinon, il va être égal à l'opposé de l'angle UV, donc à l'opposé de l'angle que font les vecteurs AB et CD, modulo de pi, si partie linéaire de F est une réflexion, c'est-à-dire si F est un antidéplacement. Une remarque, si U et V sont deux vecteurs non nuls d'un plan vectoriel euclidien orienté, il existe une unique rotation Rθ qui envoie le vecteur U sur norme de U vers V sur norme de V. Et on a, c'est même la définition de l'angle, l'angle UV qui est égal à θ modulo de pi. D'ailleurs, dire ça, ça équivaut à dire ça. De plus, dire que U a pour image V par une rotation Rθ, donc le θ, ça équivaut à dire que norme de U est égale à norme de V et que l'angle UV est égal à θ modulo de pi. Voilà. C'est un résultat d'algèbre donc du chapitre sur les rotations, les isométries vectorielles. Alors on va juste justifier cette équivalence. D'abord dans ce sens, si Rθ de U est égal à V, donc ça implique que norme de V est égale à norme de Rθ de U, c'est-à-dire norme de U, parce que une rotation c'est une isométrie vectorielle, donc elle conserve la norme. R de U va être égal à V, ça implique que, grâce à la linéarité, que R de U sur norme de U est égal à V sur norme de U, mais ce qui fait V sur norme de V, puisqu'on a vu que norme de V est égal à norme de U. Donc cette rotation R, elle envoie bien U sur norme de U en V sur norme de V, donc l'angle est bien égal à θ. Voilà. Réciproque, si l'angle UV est égal à θ, alors la rotation Rθ envoie U sur norme de U en V sur norme de V, donc elle envoie puis, linéarité toujours de l'isométrie, hein, comme ici, hein. Elle va envoyer en multipliant par norme de U, U en norme de U sur norme de V, multiplié par V, sauf que norme de U est égal à norme de V, donc ça fait V. Donc elle envoie U en V, hein, car U est égal à V, bah, c'est exactement ce que je voulais démontrer. Propriété, soit R haut θ, alors ça veut dire une rotation de centre haut, on est là dans le plan affine, une rotation de centre haut, et l'angle θ, alors pour un point m différent de 0, une rotation c'est une bijection, hein. Donc m, O est un point invariant, l'image de O par la rotation c'est O, si m est différent de O, ben m' va être différent de O. R, dire que l'image de m c'est m', ça équivaut à dire que distance OM égale OM', et angle OM, OM' est égal à θ. Si j'ai dit que M était différent de O, c'était justement pour pouvoir parler de cet angle. Hein? Parce qu'on parle d'angle, je le rappelle, que quand les vecteurs sont non nuls. Alors, comme toutes les applications linéaires, avec, on a R de M qui est égal à R de O, mais ça fait O, plus la partie linéaire, et je lui applique le vecteur OM. Donc dire que R de M est égal à M', ça équivaut à dire que partie linéaire de R en OM est égale à vecteur OM'. Et donc ça équivaut à dire, d'après ce qu'on a vu avant, que les deux normes sont égales et que l'angle est égal à θ, donc c'est terminé. Soit F un antidéplacement du plan affine, hein, si A est un point invariant de F, donc il y a au moins un point invariant, alors F est une réflexion d'axe la droite. Parce que ça va être une droite, l'ensemble des points invariants de F. J'aurais pu dire, ensemble des points invariants de F est une droite, et F est une réflexion d'axe de cette droite-là. D'accord ? Droite qui est A delta, ou delta, alors ça c'est pour dire qu'elle passe par le point A, ben ça on le savait, puisque A était invariant, et que sa direction c'est delta. Delta étant l'axe de la réflexion
vectorielle f flèche, c'est-à-dire partie linéaire de f. Démonstration, eh bien la partie linéaire de f appartient à au moins, puisque c'est un antidéplacement. La partie linéaire de f est une réflexion vectorielle d'axe, une droite vectorielle delta, égale 1 de partie linéaire de f. Donc suivant l'orthogonale de delta, bien sûr. Ça, c'est le cours sur les isométries vectorielles. D'accord ? Ensuite, D, qui est l'ensemble des points invariants de f, est non vide puisqu'il y a A dedans. Donc, toujours là, le cours sur les applications linéaires, sur les applications affines, pardon. La direction de D est égale à delta, donc ça veut dire que D est égal à A delta, et F est la symétrie par rapport à D suivant la direction orthogonale de delta. Donc c'est une réflexion d'axe D. Voilà. Ça c'est le cours, en fait, ça, cette partie-là, c'est le cours sur les applications affines. D'accord ? C'est-à-dire ce sont les symétries par rapport à des droites suivant une direction. Voilà. Propriété, une rotation R de centre haut et d'angle θ est un déplacement, une réflexion par rapport à D. Il s'agit de réflexion, puisque D c'est une droite, on est dans le plan, donc c'est un hyperplan, est un antidéplacement. Alors pourquoi ? Parce que la partie linéaire de R, c'est une rotation vectorielle. Donc ça appartient à O+, donc c'est positif. Et puis la partie linéaire d'une réflexion, c'est une réflexion vectorielle par rapport à la direction de D. Et donc, ça appartient à O-. Voilà. Si D primes sont deux droites sécantes en un point A, alors S D prime rond SD, sa réflexion d'axe D prime, réflexion d'axe D, est une rotation de centre A. En effet, A est invariant par S D prime rond SD, et la direction de F est égale à la composée, la partie linéaire de F est la composée des parties linéaires de S D prime et SD, c'est-à-dire la réflexion par rapport à la direction de D' rond la réflexion par rapport à la direction de D. D'accord ? Et ça, toujours le cours d'algèbre sur les isométries vectorielles, ça c'est une rotation vectorielle. Et c'est une rotation vectorielle qui n'est pas l'identité parce que les directions des deux droites ne sont pas égales. D'accord ? Donc, comme elles ne sont pas égales, eh bien, ce n'est pas l'identité. Bon, ça, c'est le cours qu'on a vu en algèbre linéaire. Remarque, si D et D' sont deux droites du plan euclidien, sigma D égale sigma D', les deux réflexions, implique D égale D', la réciproque étant évidente. Si A et B sont deux points distincts du plan, il existe une unique droite D, tel que A est pour image B dans la réflexion d'axe D. C'est la médiatrice de AB. D est la médiatrice de AB. Démonstration, si sigma D est égal à sigma D', alors l'ensemble des points invariants de sigma D est égal à l'ensemble des points invariants de sigma D', et donc ça donne D égale D'. Unicité, pour la deuxième, si sigma D de A est égal à B, alors la droite D est perpendiculaire à AB et passe par le milieu I de AB. On a sur le dessin. Donc c'est la médiatrice de AB. J'aurais presque pu procéder par équivalence. Parce que pour l'existence, donc l'unicité, D est la médiatrice de AB, eh bien soit D est la médiatrice de AB. On sait que D est perpendiculaire à AB et que D passe par le milieu de AB. Donc forcément, le symétrique de A est égal à B. Soit D', deux droites parallèles du plan affine euclidien P. Alors, la réflexion d'axe D' rond la réflexion d'axe D est égale à la translation de vecteur U, où U est un vecteur qui appartient à l'orthogonale de la direction de D.
De plus, D est égal à D' si et seulement si vecteur U égale vecteur nul. Démonstration. Donc, d'abord du petit 1, on pose F égale sigma prime rond sigma D. Sa partie linéaire, c'est la symétrie orthogonale par rapport à la direction de D, rond, de D', pardon, rond la symétrie orthogonale par rapport à la direction de D. Ça fait l'identité parce que, en fait, comme la direction de D' est égale à la direction de D, vu que D' est parallèle à D, ça fait sigma D rond sigma D, donc ça fait l'identité. Donc, sigma D rond sigma D' est une translation, ça c'est un résultat du cours sur les applications affines, donc une translation TU. Soit O, un point de la droite D, bah, comme il est sur la droite D, il est transformé en lui-même par la réflexion d'axe D, puis en O' par la réflexion d'axe D'. Donc le vecteur U est égal au vecteur OO'. Mais sigma D' de O est égal à O', ça implique que vecteur OO' appartient à la direction à l'orthogonale de la direction de D'. Donc, et comme la direction D' c'est de D, donc ça appartient à l'orthogonale de la direction de D. Voilà. Donc, eh bien, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. La translation est ça. Alors, la deuxième partie, si D est égal à D', F égale sigma D rond sigma D, hein, donc ça fait l'identité, et donc U est égal à 0. Réciproquement, si U est égal à 0, sigma D' rond sigma D est égal à l'identité, ça implique... c'est égal à TU, mais comme U est égal à 0, ça fait l'identité. Donc ça implique que sigma D' est égal à sigma D. Il suffit que je compose par sigma D' ici. Ça fait sigma D' rond sigma D', ça fait l'identité. Et donc rond sigma D, ça fait sigma D égale sigma D'. Donc l'ensemble des points invariants de sigma D' est égal à l'ensemble des points invariants de sigma D, et donc ça veut dire que D' est égal à D. Et donc c'est terminé. Propriété suivante, soit D une droite du plan, U appartenant à vecteur appartenant à la direction de D, vecteur U différent de vecteur nul. Alors sigma D rond TU est égal à TU rond sigma D, et c'est un antidéplacement sans point invariant. Démonstration, on pose F égale sigma D rond TU, G égale TU rond sigma D. On constate d'abord qu'ils ont même partie linéaire, parce que la partie linéaire de TU, quand on compose des parties linéaires, celle de TU, c'est l'identité. Donc, la partie linéaire de F, c'est égal à la partie linéaire de G, et en fait, c'est égal à sigma, à la réflexion d'axe D. Et donc, d'ailleurs, au passage, c'est une isométrie négative, ce qui fait que F va être un antidéplacement, d'accord? Et ça, donc, ça démontre que F et G sont des antidéplacements. Alors, de toute façon, on va démontrer que ces deux sont égaux. Donc, ils ont déjà la même partie linéaire, soit O appartenant à D, O' égale le translaté de O par rapport à la translation TU. Donc c'est O plus U, il s'appartient à D parce que le vecteur U appartient à la direction de D et que O appartient à D. Donc O' appartient à D. O est envoyé en O', puis par, comme ça appartient à D, bah en O', par, quand on fait la sigma, la, quand on fait sigma D. Et maintenant, si on fait en sens inverse, O, comme il appartient à D, il est envoyé en O, puis en O' par TU. Et donc F de O est égal à G de O. Mais comme les parties linéaires sont les mêmes, F est donc égal à G. Là aussi, c'est un résultat du cours sur les applications affines. Donc on a déjà dit que pourquoi c'était un antidéplacement. Supposons qu'il y a un point invariant A. Alors F est égal, puisque c'est un antidéplacement et qu'il y a un point invariant, à sigma delta. Ça, on l'a déjà démontré, où delta est égal à A direction de D. Car la partie linéaire de F, c'est
la réflexion d'axe la direction de D. Donc, sigma D rond TU est égal à sigma delta, ce qui implique en composant par sigma D que TU est égal à sigma D rond sigma delta, parce que sigma D rond sigma D, ça fait l'identité. Mais la direction de D est égale à la direction de delta. Donc D est parallèle à delta. Donc sigma D rond sigma delta, on l'a démontré avant, va être une translation de vecteur W, où W appartient à la direction orthogonale de D. À l'orthogonale de la direction de D, pardon. Voilà, et donc on obtient que TU est égal à TW, ce qui implique que U est égal à W, mais U appartient à la direction de D et W appartient à l'orthogonale de la direction de D. Le seul vecteur qui est en commun entre ces deux-là, c'est 0. Donc U égale W est égal à 0, ce qui est impossible. Donc l'ensemble des points invariants par F est égal à vide. On avait supposé qu'il y avait un point invariant. Et donc on en déduit qu'il y a donc des antidéplacements qui n'ont pas de point invariant. Et on rappelle que les translations de vecteurs non nuls sont les seuls déplacements qui n'ont pas de point invariant. L'identité est un déplacement qui a tous ses points invariants. Et puis les rotations de centre haut et d'angle θ ont aussi un point invariant. Si F est un antidéplacement sans point invariant, alors il existe une unique droite D du plan et un unique vecteur U appartenant à la direction de la droite, tel que F égale sigma D rond TU. Alors ça s'appelle la forme canonique de F. Et on a vu que puisque U appartient à D, on a automatiquement F égale TU rond sigma D. Démonstration d'abord de l'unicité, on suppose que F est égal à sigma D rond TU et égal à sigma D prime rond TU prime, avec vecteur U appartient à la direction de D, vecteur U prime à la direction de D prime. Alors quand on prend la partie linéaire de F, comme la partie linéaire des deux translations sont l'identité, on va trouver que la réflexion d'axe la direction de D est égale à la réflexion d'axe la direction de D', et donc direction de D égale direction de D', et donc droite D est parallèle à droite D'. Et donc, il existe W, un vecteur qui appartient à l'orthogonale de la droite D, tel que sigma D' rond sigma D est égal à la translation de vecteur W, d'après ce qu'on a démontré précédemment. Mais sigma D rond TU, c'est sigma D' rond TU'. Donc, TU' en composant à gauche par sigma D' peut s'écrire sigma D' rond sigma D rond TU, puisque ici, sigma D' rond sigma D' fait l'identité. D'accord ? Donc, ça nous fait TW rond TU, c'est-à-dire translation de vecteur W plus U, qui doit être égal à la translation de vecteur U', et donc U' égale W plus U. W est donc égal à U' moins U, qui appartient à la direction de D, parce que U' appartient à la direction de D', mais la direction de D', c'est la direction de D. Donc U' appartient à la direction de D, et U aussi, donc la différence appartient à la direction de D. Mais en même temps, on sait que W appartient à l'orthogone, à la direction de l'orthogonale de D. Et comme les deux n'ont que 0 en commun, W est égal à vecteur nul, et donc si W égale vecteur nul, c'est que vecteur U' est égal à vecteur U. Et donc les deux translations sont égales. Et donc on avait cette égalité avec ici les deux mêmes translations. Donc évidemment, en composant à droite par translation de vecteur moins U, on obtient que sigma D est égal à sigma D', et donc D est égal à D'. Existence. Si A est un point du plan, et que son image c'est A' par l'application F, eh bien je vais appeler B le milieu de AA'.
Alors f c'est ça, hein. Non, f c'est l'antidéplacement sans point invariant. Voilà. Donc b, le milieu de A prime, hein, j'appelle alors la direction de f, hein, comme c'est un antidéplacement, la direction de f est une isométrie négative, hein, et donc c'est une symétrie d'axe, une droite vectorielle delta. D'accord? Soit D, la droite passant par B de direction delta. D, d'accord? Voilà. Et je fais A1, le symétrique de A par rapport à D. Alors H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc il va être le milieu de A à 1. Et j'appelle vecteur U égale vecteur A1 A'. Donc j'ai A par sigma D qui donne A1, qui par TU donne A'. Donc quand je fais G égale TU rond sigma D, et G de A, alors la direction de G est égale à identité rond la réflexion d'axe, la direction de D, donc c'est-à-dire sigma delta, d'accord, car delta est égal à la direction de D, et j'ai G de A qui est égal à A', c'est-à-dire à F de A, parce que A', c'est F de A, d'accord? Donc en fait, F et G, elles ont la même partie linéaire, et elles coïncident en A, donc F est égal à G. Résultat sur les applications affines. De plus, le vecteur U est égal à A1A' que je décompose avec Chasles en A A' moins AA1. AA', ça fait 2. Alors AA', ça fait 2AB puisque B est le milieu de AA'. Et AA1, ça fait 2AH puisque H est le milieu de A1. Donc ça fait 2HB. Là, je mets 2 en facteur. Facteur de AB moins H, c'est-à-dire 2HB. H appartient à D, B aussi. B aussi, ça je l'ai. Oui, B, d'accord? Et puis H était projeté sur B. Donc ça appartient à la direction de D. Donc ça veut dire que U appartient à la direction de D, bah, c'est terminé. Propriété, soit une droite D et un vecteur U, alors il y a cette égalité, sigma D rond TU égale TU rond sigma D, si et seulement si U appartient à D. Bon, alors dans un sens, celui-là, ça a déjà été fait, on a déjà vu que si U appartenait à D, on avait ça. Dans l'autre sens, supposons qu'on a ça, on prend un point O appartenant à la droite D, on a déjà fait ça dans d'autres démonstrations, hein. Par sigma D, son image c'est O. Et par la translation, c'est O'. D'accord? Donc, TU rond sigma D de O est égal à O', mais comme TU rond sigma D égale sigma D rond TU, oui, alors là, en fait, je me suis. Non, c'est bon. Donc, sigma D rond TU de O va être égal à O'. TU de O, c'est O'. Donc, sigma D de O' est égal à O'. Donc, O' appartient à D. Mais O', c'est le translaté de O par rapport à U. Donc c'est O' égale O plus U, avec O qui appartient à D et U. Donc U est égal à O', et O' appartient à D. Donc U appartient à la direction de D. Donc U, c'est exactement ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire que si on a ça, on a bien ça. Alors nous faisons maintenant une étude analytique des antidéplacements du plan et on va apporter quelques précisions sur l'axe de la droite delta qui intervient dans la décomposition de ces antidéplacements. Si f est un antidéplacement, sa partie linéaire est une réflexion vectorielle sigma delta, donc par rapport à une droite vectorielle delta, soit b, ij, une base orthonormée directe quelconque du plan vectoriel, U, un vecteur directeur de cette droite, alors un vecteur directeur unitaire, hein, de cette droite, hein, dans le plan vectoriel, hein, et dans cette base. Hein. Et donc je complète ce vecteur de façon à obtenir une base orthonormée directe. J'appelle B', cette base. Hein. La matrice de F dans B', bah, ça va être
1, 0, 0, moins 1, puisque U a pour image lui-même, et V a pour image moins V, puisque V est orthogonal à U. U qui oriente la droite delta. De plus, on voit par les coordonnées de U que l'angle IU est égal à alpha. Si A est la matrice de F dans B, la matrice de passage de B à B', c'est ça, et on a ces relations habituelles, donc on calcule A'P-1 et PA'P-1, j'évite, et ça fait ça. Dans le repère R', alors je prends oméga à un point quelconque, et R', donc je reprends les vecteurs U et V, je vais avoir, puisque la matrice c'est celle-là, la matrice de la partie linéaire, je vais avoir pour petit f des relations du type x'y' égale matrice ici, matrice A' fois xy plus A'B'. Je cherche les points invariants. Donc dire que x est un. Alors ça veut dire x' égale x plus A', y' égale moins y plus b'. Les points invariants, on les a ici. Donc si A' est égal à 0, ça revient à dire. Si A' est égal à 0, j'obtiens les relations x' est égal à x, et je transforme cette relation-là par y' moins b' sur 2 égale l'opposé de y' moins b' sur 2. Et donc, en prenant le point A de coordonnées 0, b' sur 2, j'ai des nouvelles relations, donc x ne bouge pas, donc x' égale x, hein, grand x, et grand y', c'est ça, est égal à moins grand y. Et donc là, je vois tout de suite que f, dans ce repère-là, f est, je vois tout de suite, grâce à ces relations-là, que f est une réflexion par rapport à la droite d qui passe par a et qui a la direction delta, autrement dit, qui est dirigée par le vecteur. Bon, alors, je garde ce point A, puis je garde cette droite D, là, pour la suite. Si A' est différent de 0, j'ai toujours ces relations, mais sauf qu'il y a A'. En plus, ici, il y a A'. Donc, j'obtiens ça dans la base AUV, c'est-à-dire dans ma nouvelle base, j'ai juste changé le centre, et bien, je vais avoir ces relations-là. Et donc, j'obtiens, alors, évidemment, avec A' qui est différent de 0. Donc, je peux écrire ça de cette façon-là. Et là, ça me dit quoi? Ça me dit que je fais une réflexion par rapport à D, toujours la même droite, mais suivie d'une translation. D'accord? Avec W qui a pour coordonnée A'0. Alors, ce vecteur-là, dans ma base V', il est collinéaire au vecteur U qui engendre delta, donc qui engendre la droite D, et donc ça veut dire qu'il appartient à la direction de la droite D, qui est égale à delta. Alors maintenant, je vais montrer que c'est commutatif, donc je fais d'abord la translation, d'accord, puis je applique la symétrie, et je vois tout de suite qu'on obtient ça. Donc on a bien le résultat qu'on connaissait. Donc, alors, cette étude montre, par rapport à ce qu'on avait déjà vu avant, cette étude montre que si la matrice de la partie linéaire d'un antidéplacement est comme ça, dans une base quelconque, J, orthonormée évidemment, l'angle que fait le vecteur I avec l'axe de la symétrie, donc je vais plutôt mettre ça D, voilà, eh bien, cet angle est égal à θ sur 2. En effet, je viens de voir avant que I delta, il est égal à alpha. Delta, c'est la direction de D. Et à ce moment-là, ça me donne... je compare les matrices que j'ai trouvées. C'est-à-dire, j'avais trouvé cette matrice-là. D'accord? Donc, cette matrice-là doit être égale à ça. Et donc, dans la base IJ. Et donc, ça veut dire que oui, ça veut dire donc que cosinus 2 alpha est égal à cosinus θ, et que sinus 2 alpha est égal à sinus θ. Et donc ça veut dire que θ, 2 alpha est égal à θ plus 2 capi. Autrement dit que alpha est égal à θ sur 2 plus capi. Donc en fait, quand j'ai une matrice comme ça, l'angle de
de la droite delta qui intervient là, dans ce qu'on a vu avant, eh bien, l'angle que fait cette droite delta avec le vecteur i, c'est la moitié de θ modulo pi. Hein, d'accord ? Bon, par ailleurs, hein, et c'est là que ça se passe, hein, on voit ici que 1 et moins 1 sont les seules valeurs propres de la direction de F. Alors, c'est intéressant aussi parce que le sous-espace propre associé à 1, c'est l'axe, la direction de l'axe de la réflexion. Si D déprime sont deux droites sécantes en haut, on sait parce qu'on l'a vu que sigma D prime rond sigma D est une rotation R. Bien si l'angle des droites D prime est égal à θ modulo pi, ce sont des angles de droite, alors la rotation est une rotation de centre haut et d'angle de θ. Bon, on sait déjà que c'est une rotation d'angle haut puisque haut est invariant par sigma d et par sigma d prime, donc par la composition. La partie linéaire est une rotation d'angle alpha est égal à 2 fois l'angle des directions d prime. Ça, ça a été démontré avec les isométries vectorielles. Et l'angle de ces deux droites géométriques, c'est l'angle des deux droites de ces deux droites vectorielles, c'est l'angle des deux droites affines, c'est θ, modulo pi, ça veut dire plus kπ. Donc quand on multiplie par 2, ça fait alpha égale 2θ plus 2kπ, c'est-à-dire alpha modulo pi 2pi, et d'où, c'est-à-dire 2θ modulo 2pi, d'où le résultat. Propriété dans le plan affine euclidien orienté, si F et G sont des rotations de même centre haut et d'angle alpha, θ et alpha, alors g rond f et f rond g sont des déplacements, ça on le sait déjà en fait, et si θ plus alpha est différent de 0 et modulo de pi, alors g rond f est égal à f rond g est égal à la rotation de centre haut et d'angle θ plus alpha, et si θ plus alpha est égal à 0 modulo de pi, g rond f égale f rond g est égal à l'identité du plan. Démonstration, bah, FG sont des rotations donc des déplacements, donc G rond F et F rond G aussi. Partie linéaire de G rond F égale partie linéaire de G rond partie linéaire de F, donc c'est la rotation d'angle θ plus alpha. Idem pour F rond G. Et d'autre part, G rond F de haut est égal à G de haut est égal à O. Et puis idem pour F rond G de haut. Donc même image en haut et puis même partie linéaire, donc f rond g égale g rond f dans les deux cas. Si θ plus alpha est égal à 0 modulo 2pi, g rond f est la rotation d'angle nul, rotation vectorielle d'angle nul, donc c'est l'identité du plan vectoriel, et donc g rond f est une translation, mais comme O est envoyé en haut, cette translation c'est la translation de vecteur nul, donc on obtient l'identité. Si θ plus alpha est différent de 0 modulo 2pi, la partie linéaire est la rotation vectorielle dans θ plus alpha différente de l'identité. Et comme g rond f de haut est égal à O, ben c'est une rotation de centre haut et d'angle θ plus alpha. Et comme on a l'égalité, ce sera pareil pour f rond g. Propriété, si O' est différent de O, donc là on a deux rotations de centre différents, donc d'angle θ et θ', hein. Si θ plus θ' est différent de 0 modulo 2pi, g rond f et f rond g sont des rotations distinctes d'angle θ plus θ', hein. Et si θ plus θ' est égal à 0 modulo 2pi, alors g rond f et f rond g sont des translations distinctes l'une de l'autre et distinctes de l'identité. Démonstration. Partie linéaire de g rond f égale. Alors, d'abord, g rond f est un déplacement. Hein, g rond f et puis f rond g sont des déplacements, puisque f et g sont des rotations, donc des déplacements. Partie linéaire de g rond f, bah, c'est classique. Hein, c'est la rotation de r θ plus θ'. Et O est envoyé par f, comme c'est le centre en O. Et il est envoyé par g en A, qui est différent de O. Sinon, ça voudrait dire que O serait le centre de la rotation G.
mais au prix, mais différent de haut, hein, ça a été choisi, différent de haut. O est envoyé par G donc en A, A est envoyé par F en B, qui est différent de A, parce que sinon ça voudrait dire que A serait invariant, donc que A serait égal à O, on a dit que A était différent de O. G en F de O est donc différent de F en G de O, et donc F en G n'est pas égal à G en F. Alors maintenant, si θ plus θ' égale 0 modulo 2π, G en F, la partie linéaire, c'est la rotation d'angle nul, donc c'est l'identité, donc G en F est une translation, donc comme il envoie O en A, c'est la translation de vecteur OA, et comme A est différent de O, c'est pas égal à l'identité. F en G, c'est aussi la rotation d'angle nul, donc c'est l'identité, donc F en G, enfin la partie linéaire, donc F en G est la translation qui envoie O en B, donc la translation de vecteur OB, elle est différente de l'identité parce que B est égal à F de A, et F de A c'est différent de O parce que A est différent de O et que F est une rotation de centre O. Enfin, si θ plus θ' est différent de 0 modulo 2π, alors bon, on a toujours cette égalité, et ça, Rθ plus θ', ce n'est pas l'identité, et donc F rond G et G rond F, eh bien, sont des rotations, puisque ce sont des déplacements du plan, dont la partie linéaire n'est pas égale à l'identité, voilà, ce sont des rotations. Étude analytique des déplacements, on a déjà vu qu'un déplacement était une rotation, une translation, on le retrouve de façon analytique. On sait que la partie linéaire d'un déplacement, c'est une rotation. Et donc, on va pouvoir trouver une base orthonormée directe dans laquelle la matrice est comme ça. Et dans le repère OIJ, donc O à point quelconque, on va avoir des relations comme ça pour exprimer que le point M' de coordonnée X' Y' est l'image du point M de coordonnée XY. A et B, bah, c'est que F de O a pour image un point de coordonnée M. Si θ est égal à 0 modulo 2π, on va trouver, ça fait 1, ça fait 0, ça fait 1. Et donc on a ces relations-là qui montrent que F est une translation de vecteur O' qui peut être l'identité, bien sûr, si A égale B égale 0, et sinon, sinon ce n'est pas l'identité, il n'y a pas de point invariant. Si θ est différent de 0 modulo 2π, on va chercher les points invariants, donc on est amené à résoudre ce système. Voilà son déterminant, et il est non nul parce que θ est différent de 0, donc 1 moins cosine θ est différent de 0. Donc il y a un unique point invariant. F de m est donc égal à oméga plus rotation vectorielle appliqué au vecteur oméga m. Bon, dans un repère, si je change uniquement le centre du repère en mettant oméga, ça me fera des coordonnées, et ça me fera des relations x' égale x cosinus θ moins y sinus θ, y' égale x sinus θ plus y cosinus θ, c'est-à-dire a égale b égale 0. Et donc j'obtiens tout de suite que f est une rotation de centre oméga et d'angle θ. Alors la conclusion, la nature, donc deux sortes d'isométrie, hein, bien sûr, hein, d'isométrie affine, hein, du plan, donc, déplacement, anti-déplacement. Alors, ça se discute suivant la nature de l'ensemble des points invariants. On est en dimension 2, ça peut être vide, un point, une droite ou le plan. C'est-à-dire, dimension 2, dimension 1, dimension 0 ou vide. Alors, si c'est le plan, c'est-à-dire tous les points sont invariants, c'est l'identité, ça c'est un déplacement. Si c'est une droite, on a vu que c'est une réflexion, une symétrie orthogonale par rapport à D. Si c'est un point, on a vu que le déplacement, c'était possible. Si c'est un point, eh bien c'est une rotation de centre O, si c'est un point O, et d'angle θ, d'accord. Et ça ne peut pas être un antidéplacement. Et le cas vide, les deux sont possibles. Ça peut être une translation de vecteur non nul. Ça, c'est un déplacement, hein, parce que la partie linéaire, c'est l'identité. Et puis, ça peut être aussi une application de cette forme-là. Sigma d, donc ça, c'est une réflexion hein, orthogonale, rond TU, égale TU rond sigma d, avec U différent de 0, U appartenant à la direction de D.
allons maintenant voir quatre exemples d'études d'isométrie affine dans le plan affine euclidien. Premier exemple, on veut exprimer analytiquement la réflexion sigma delta, donc par rapport à la droite delta, d'équation 2x moins 3y plus 1 est égal à 0. Alors, un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées 3, 2. On prend un point M, son image par sigma, c'est le point M'. M'm' a pour coordonnées x' moins x, y' moins y, qui doit appartenir à l'orthogonale de delta. Donc, ça veut dire que M'm' scalaire U est égal à 0, ce qui nous fait cette égalité. Cette égalité qui nous donne ça. D'autre part, I, il est ici, doit être le milieu de M'm'. Hein. Là, j'ai vu M'm' orthogonal à delta. Maintenant, je veux dire que I, milieu de M'm', donc ces coordonnées sont celles-là, appartient à delta. Donc, je remplace ici. Ça fait 2x plus x' sur 2, donc x plus x', moins 3 demi de y plus y' plus 1 égale 0, ce qui nous fait, en multipliant par 2, 2 facteurs de x' plus x moins 3y' plus y est égal à moins 2, et je remplace ici. Bon, alors après, bah, c'est facile, hein, on multiplie, pour avoir x', on se débarrasse des y' en faisant fois 3 et fois 2 et en ajoutant. De même pour y', et on trouve cette expression analytique. Voilà. Donc c'est terminé. Exercice 2, on va chercher à exprimer analytiquement la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 4. Alors, on sait que oméga m' est égal à la partie linéaire de R appliquée au vecteur oméga m. Hein, donc, oméga m', c'est ça, hein, j'enlève oméga. Oméga m, c'est ça. Et quant à la partie linéaire, sa matrice, elle est donnée par cosinus sinus, alors cosinus de pi sur 4, sinus de pi sur 4 moins sinus cosinus. Et donc on obtient ça, qui se traduit facilement par ce système-là. Exercice 3, on fait l'inverse maintenant. On nous donne une application par ce système-là. Il faut dire quelle est sa nature. Alors, la matrice de F de la partie linéaire, c'est donc racine de 3 sur 2 moins 1,5, 1,5, racine de 3 sur 2, ce qui correspond à une rotation vectorielle d'angle moins pi sur 6. Donc F va être une rotation de centre oméga, on ne connaît pas encore, ça va être le point invariant, et d'angle moins pi sur 6. Alors, on cherche donc le point invariant, on remplace donc x' par x, y' par y, ce qui nous fait ce système-là, puis celui-là. Le déterminant de ce système est égal à ça fois ça moins ça, donc ce qui nous fait 2 moins racine de 3, puis on applique les formules, c'est-à-dire qu'on prend cette colonne-là, on la met ici, et ça fait x égale 1 sur 2 moins racine de 3 fois ce déterminant, on va trouver 0. Bon, une fois qu'on a trouvé 0, puisque ça fait 0, on trouve facilement y égale moins 2. Donc, c'est une rotation par rapport au de centre, le point de coordonnées 0, moins 2, et d'angle moins pi sur 6. Dernier exemple, donné par ce système-là, avec la matrice de sa partie linéaire qui est égale à ça. Et il s'agit donc d'une réflexion, hein, c'est une symétrie, donc une réflexion vectorielle. On cherche l'ensemble des points invariants, donc il faut que x soit égal à 2 moins y, ce qui fait x plus y égale 2, et que y soit égal à moins x, ce qui fait x plus y égale 0. Donc il n'y a pas de point invariant. Alors donc f va être égal à sigma delta rond tu, égale tu rond sigma delta, où u appartient à la direction de delta. Alors delta, sa direction est donnée par l'ensemble des vecteurs invariants ici. Donc, vecteur invariant, c'est x plus y égale 0, j'enlève le 2 quoi. X égale 0 moins y, y égale x. Donc, ça fait x plus y égale 0. Voilà. Alors, si je prends un point, donc la droite delta aura donc une équation de la forme x plus y plus lambda est égal à 0. Alors je prends un point sur cette droite, donc je remplace x par 0, y égale moins lambda,
comme ça j'ai bien ça. Quelle est son image? 0 moins lambda, ben, je remplace, ça fait 2 plus lambda, ici ça fait 0. Et dans ce cas-là, quand je prends, comme le point appartient à delta, sigma delta de m c'est lui-même, hein, donc en fait, m' va être égal à tu de m. Donc ça veut dire à m plus u. Alors ça, ça veut dire que u est égal à mm', hein, et mm' ici, ça fait donc 2 plus lambda moins 0, ça fait 2 plus lambda, lambda. D'accord? Et mm', le vecteur u, il doit appartenir à la direction delta. Donc il doit vérifier ça. Donc ça fait 2 plus lambda est égal à 0, ce qui fait lambda égal moins 1. Donc j'ai trouvé lambda égal moins 1, donc la droite c'est x plus y moins 1 égale 0. Et puis le vecteur, bah, le vecteur u, lambda égale moins 1, je trouve 2 moins 1 ça fait 1, et lambda égale moins 1 ça fait 1 et moins 1. Donc finalement f est égal à sigma delta rond tu, et on sait que ça fait tu rond sigma delta, avec le vecteur u 1 moins 1, la droite x delta x plus y moins 1 égale 0. Évidemment, le vecteur u appartient bien à la direction de la droite, puisque 1 moins 1 fait bien 0. Voilà, et c'est terminé.